Bambara. Malien, M5RFP, comité stratégique, a une réunion badoke bi. Au réunion, à la conclusion, ba, ne ba feku, ou nyevo, M5RFP militant. Pour la mi-sebe, ou e folie, ka folie bla Mali peuple. Mali peuple, a ka lutte, a e lutte minke, pour que changement pacifique ka se Mali la. Tieni kanake, au changement, anga force armée de sécurité ya parachevé. Ou ya laban. Ou ya laban fana, à la bagnumala parce que tieni make joli mabo et fin mila belendo fangan korofe ka nyesi M5RFP nyemoroma ka nyesi peuplement au ka djuguni fin minkera le 10 le 11 et le 12 juillet à la barkala o ma seka sira solo à la barkala CNSP yake tieni ba Fagali, déportation au Massira Soromella. Odekama. Et Anko, M5RFP Koukabe, Mali peut plus féliciter. Abba est félicité. Ibrahim Bokar Keta y démission. Aleka démission, assemblée démission, Naka gouvernement démission, Ayodi, on se félicite de ça. Katlaka Foko, CNSP déclaration d'Oké. Ou qu'on coupe la transition politique civile. Au Corée, Fanga Mimbena. Si vous ni soldats de Bena ou Bolo di Nyoroma, ka Djamana Baraka transition ke, kanga Djamana Jo, ka réforme ou Bauke pour que Mali Kaseka, aka Horayan, aka Ladria, aka souveraineté, aka démocratie, Kaseka Sinsi, Djamana Kaseka Tanyi. En Kofana, Kofana Malila. Au peuple de Kakeledo, CNSP, Mali l'armée ya a labandi, a kera laban kounyuma fana la, parce que tieni make, joli mabo, an yem fe min constate fana, anga forces armées ou bè, tous les corps, ou bè farale nyongonka, ou na nidjo, kanga peuple sauvé, kanga démocratie sauvé, ou ya fo fana, koudmana ka fanganta ki sigi malion kuna, kounana ka ben sabati mali kuna. Tieni minkera Malila, pour réparer Malion que c'est que terre d'ignorance, la transition politique. Okuma fana, an yufo ola. Mais pourquoi ko be walia, an ye déclaration d'okebi. O déclaration abena présenté sini be, sini jeudi 20 août 2020. Point de presse de Benake, kuma ba ou bena fala, pour que Malion wele, wele wele de bena bla Malion we. Vendredi 21 août 2020. De 14h, place de l'indépendance, la comme Corolin. Malion Bekabo, Bekabo ka bo, comme Amad Delika ke Mali histoire là. Pour que ka ira, ko changement minkera, akera Malion Betola. Malion Beka changement de dos. Oulu de ya barake, oulu de au changement soro. Pour que communauté insénar ka se ka laye, ka soro, ko Malion e Corolin, ou yo pas tourné. Agne silendo, nyefe, ka diamanajo, ka démocratie sinsi. Ka ou ba fo meko réconciliation nationale Mali problème be ou bena ba bla table ka Mali don be bena franyonka ka solution ñunu la donc ma ba minu benefe ka fo yo conclusion ba minu fera odeni wo beto ka fo coup d'état de kera de adonata borata minkera peuple de ka keledo anga force armée de sécurité ya la bande ou ya la ban fana cheni chimakala donc au folie akanga ke peuple malien na Mali dombe hakto bala sali ala Mohamed. Bonsoir. Le comité stratégique du M5RFP vient de terminer une session spéciale. Je voudrais rendre compte aux militants du M5RFP, à l'ensemble du peuple malien, des grandes conclusions de cette importante rencontre. Nous avons enregistré et examiné la situation sociopolitique créée depuis le mardi 19 août 2020 en République du Mali. Le M5RFP
se félicite de l'aboutissement du combat héroïque du peuple malien. Cet aboutissement est la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta du poste de la fonction de président de la République, de la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi pris acte de la déclaration du Conseil national pour le salut du peuple, le CNSP, d'ouvrir une transition politique civile. Nous avons salué avec force l'ensemble des composantes du peuple malien, particulièrement la jeunesse du M5-RFP et la diaspora et les femmes. Nous avons dit que pour couronner ce succès, demain jeudi, nous aurons un point de presse ici, jeudi 20 août, où nous allons rendre publique une déclaration qui donnera la vision du M5-RFP par rapport à la situation actuelle. Mais cela ne suffit pas. Nous avons décidé d'organiser un grand rassemblement patriotique à la place de l'indépendance le vendredi 21 août 2020 et sur l'ensemble du territoire national pour fêter la victoire du peuple malien, pour remercier le peuple malien dans toutes ses composantes, les jeunes, les femmes, la diaspora, tous ceux qui se sont joints à ce vaste mouvement populaire depuis des mois. Nous avons constaté avec beaucoup de bonheur que le changement s'est opéré sans violence. Nous savions ce que ce pouvoir préparait contre les futures manifestations du M5-RFP. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé, le changement en douceur, nous a été d'un point positif pour l'avenir de notre pays. Nous avons aussi dit que la communauté internationale doit avoir une attention particulière par rapport au peuple malien. Et la mobilisation du vendredi 21 août doit donner la preuve que le peuple adhère à ce changement. Un premier signe, c'est que nous avons constaté que l'ensemble des corps de nos forces armées de sécurité ont travaillé ensemble pour éviter à notre peuple un bain de sang, pour éviter des tueries, des arrestations, des déportations qui étaient préparées contre la haute direction du M5-RFP. Notre peuple va se retrouver, va se réconcilier, va redéfinir les conditions d'une reconstruction de notre pays. Cela se fera avec l'ensemble des forces politiques, sociales. Le M5-RFP attend, dans les heures et les jours qui viennent, des discussions approfondies sur les conditions de mise en place de la transition civile qui a été annoncée par le CNSP. Voilà les grandes annonces que je peux vous dire en attendant qu'on puisse développer tout cela dans le meeting le 21 août 2020. Merci bien.